Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Salut, salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. El Hadj Diouf encore a frappé. Et lui, comme ça, à son habitude, il frappe fort. Hein? Et il n'a pas sa langue dans la poche. Certains pensent qu'il bavarde beaucoup, il parle beaucoup. Mais bon, quand on a été bon et qu'on a l'impression qu'à côté, on ne veut pas reconnaître notre talent, il est aussi de bon ton de taper la poitrine de temps en temps. Parce que même le lézard, quand le lézard tombe sur l'arbre, bam, il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne voit personne qui applaudit pour lui parce qu'il n'est pas mort. Le lézard commence à faire comme ça. Donc c'est le langage des signes, comme ça. Oui, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Yes, je suis fort, yes, je suis fort. C'est de ça qu'il est question. On a vu El Hadj Diouf critiquer la gestion de l'équipe nationale du Cameroun, critiquer Rigobert Song, critiquer Samuel Eto'o, fils de la CAN en Côte d'Ivoire. Mais il a eu à rencontrer Eto'o one-on-one au Congo sur l'invitation du président Denis Sassou Nguesso avec d'autres légendes. Il a vu le traitement et autres, mais il est humble. Il a reconnu que oui, il a eu à analyser mal les choses, mais que la réalité, c'est tout autre chose. Il a discuté avec son frère. On a vu avec le président Sassou Nguesso rire aux éclats et autres. That's it, right? That's it. Maintenant, autre chose, lui, on lui pose la question. Il est lui au Togo pour le jubilé de Emmanuel Chey Adebayo. Sia disait bye bye pour le football officiellement avec ses amis, ses vrais amis. Samuel était là, Alex Song était là, Cheju était là, Okocha était là, Kanu était là, Patrick Mbomandem était là. Il y avait beaucoup de stars au Togo, l'accueil, le match des galas, la soirée, c'était formidable de chez Formidable. Mais on pose la question à El Hadj Diouf. Ja, Mohamed Salah est meilleur que Samuel Eto'o, fils de Didier Drogba. Vous regardez, quoi? Mohamed Salah meilleur que Samuel Eto'o, fils de Didier Drogba? Attention. Avant Salah, Eto'o a existé. Drogba a existé, Roger Milla a existé, et moi je peux ajouter, George Oppongwea a existé. Oui, on parle des buteurs, n'est-ce pas? Ils ont existé, ils ont marqué plus de buts. Et il dit que pour lui, dans cet ordre-là, les meilleurs attaquants africains de tout le temps, c'est d'abord Samuel Eto'o fils et après Didier Drogba. Que c'est les meilleurs attaquants de l'histoire du foot africain. Donc, vous ne pouvez pas venir me poser une question, genre Mohamed Salah, c'est le meilleur et autre là. Il est bon. C'est Salah est bon. Mais il y a plus bon que Salah. Il y a Drogba, non, il y a Samuel Eto'o, il y a Drogba, il y a Roger Milla, et on peut citer les autres. Mais certaines personnes font comme si l'histoire n'a jamais existé. Je ne sais pas pour quel but est-ce que certaines personnes posent certaines questions, créent des polémiques. Ben, nous avons le droit de revenir sur ça parce qu'on ne va pas laisser prospérer comme ça. Quand on laisse, on ne met pas notre voix là-bas pour essayer de dire quelque chose. Donc on dit oui, ça, j'en compte, oui, c'est vrai, tel avait dit ceci, tel autre avait dit cela. Non, ça n'a pas de sens de tout le temps essayer de comparer les légendes africaines ou de faire comme si ceux qui sont en activité aujourd'hui, cette activité footballistique a commencé avec eux, les autres hier n'avaient rien fait. Il y avait plus de stars africaines dans le football qu'aujourd'hui. On a Salah, on a Mané qui est en train de partir. Mané aussi est en train de partir. Salah est en train de partir. Il n'y en a pas. Adi Gray, Carlos Baleba, ils sont en train d'arriver. Même, on peut citer quelques-uns, mais en réalité, c'est très faible. C'est bons joueurs d'antan qu'on avait dans le football. Bon, à l'époque, on avait Samuel Eto'o, fils Adebayo. On a eu Kanu. On a eu Didier Drogba. Kalou, Bonaventure Kalou, Patrice Mbomandem, on peut citer beaucoup comme ça, les amis. L'Afrique a connu vraiment une période où il y a le Gabonais, Aubameyang, qui brillait aussi à une certaine époque. Donc, ne faites pas comme si le football a commencé avec Salah et Mané. Bon, il y a des journalistes fans. Et ce fanatisme-là, on peut voir à travers les questions qu'il pose, les polémiques souvent inutiles qu'il veut créer. Eto'o, d'ailleurs, lors de, c'était en 2019,
la cérémonie des ballons d'or, on lui a posé la question pour savoir entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Van Dijk, qui était le meilleur. Eto'o avait dit, c'est Mohamed Salah et Sadio Mané. Malheureusement, ils ne sont pas ici. Une façon de dire respecter les talents africains. Et les autres journalistes aussi devaient respecter ces talents que d'entrer dans les polémiques, souvent, très souvent, inutiles. Bye bye, friends.